C'est quoi cette odeur? Ah, super! On fait votre sale boulot dans les égouts et résultat, c'est nous qui empestons le hip-hop mouillé! Ça peut être gênant pour aborder les filles. Non, je crois que c'est plutôt mon déjeuner qui sent. Vous avez fait du bon boulot dans les égouts. Vous voulez peut-être ce dont je vous ai parlé pour améliorer votre arme? Un blaster mode est caché dans une caisse au champ de tir. Si vous le trouvez, il est à vous. Activité suspecte dans ce secteur. Blaster est un excellent choix avec une bonne vitesse de tir. Cette arme requiert plus d'habileté pour viser. Tu peux changer de mode d'arme n'importe quand. Nous, les renégats, devons agir vite. Tu peux combiner les attaques en donnant des coups de pied, puis en tirant. Frappe la première cible du pied, puis tire tout en donnant ton coup de pied pour toucher la deuxième cible. Ah, ça c'est digne d'un renégat. Ils ne vont rien comprendre. Il y a des munitions jaunes dans des caisses. Veux-tu tester tes capacités sur le parcours de tir? Bonne chance! Vous avez gagné la médaille de bronze. Vous voulez essayer de battre mon record?
J'ai une proposition pour toi, Jack. Dans cette ville, on aime les courses. Errol est notre grand champion invaincu. C'est un fou du volant et un vrai danger sur le circuit. Tout ce que j'aime. Il faut être insensé pour courir contre lui. Et c'est là que vous intervenez. Une de mes clientes recherche un bon pilote pour son écurie. Prenez ce laissez-passer pour entrer dans la section du stade. Votre contrat, qui numère quelques broutilles. Je signe à votre place pour gagner du temps. Nous, les pilotes, acceptons par la présente de donner à Accru tous nos revenus générés par les courses, les droits de diffusion, la sponsorisation des véhicules, la taxe sur les vitrines, la recette des cartes de collection, le quota sur les promotions des fast-food, les contrats sur les talk-shows, les lignes de vêtements, tous droits de publication de romans, BD, brochures, banderoles, néons, graffitis dans les toilettes, les droits sur les bacs sensoriels, sur les jeux, sur les vitamines, les pots de vin, les contrats sur les films et bien évidemment, toutes indemnités d'assurance-vie et démembrement. Et on réglera les petits détails plus tard. Si vous parvenez au garage, qui est à côté du stade, en moins de 3 minutes, ma cliente examinera votre candidature pour vous laisser intégrer son écurie. À vous de jouer. Bonjour. Crew nous a dit que quelqu'un cherchait un pilote. Je suis occupée, là. Vous êtes les nouveaux coursiers de Crew? Écoutez, sans vouloir être désagréable, vous avez fait vite pour venir ici, mais je ne cherche pas de nouveaux pilotes, là. Et j'ai pas mal de travail. On peut faire quelque chose? Non, je travaille sur un prototype ultra secret. Ok, désolé. Écoutez, si vous pensez avoir les tripes pour courir dans cette ville, essayez mon prototype de jetboard qui se trouve sur le parcours du stade. Et si vous gagnez le challenge du stade, j'examinerai votre candidature. Thank you.
Tu peux monter sur le jetboard ou en descendre à tout moment. Tu peux sauter sur ton jetboard. Tu peux sauter plus haut en te baissant d'abord. Saute encore et encore, un peu après avoir atterri, pour une plus grande impulsion. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Tu peux atterrir sur un rebord et grinder dessus. Essaye de grinder sur ce rebord. Tu peux pivoter en l'air. Réussis un tour à 360 degrés pour gagner en vitesse. Tu peux faire des flips en sautant. Tu peux aussi faire des acrobaties. Combine les figures pour gagner des points. Gagne assez de points pour remporter le défi. Félicitations, vous avez gagné la médaille de bronze. Bien joué. Attention, description des suspects. On a gagné le challenge du stade. Bravo, vous en avez de la chance. Dites, vous n'avez personne à qui aller prendre de l'argent ou à éliminer, je sais pas moi. Vous ne nous aimez pas, hein? Vous travaillez pour cette grosse limace de crew, pourquoi je vous aimerais? Vous avez gagné quelques courses, on dirait. C'est vrai que le champion de la ville visite le palais? Ouais, pourquoi? Vous pouvez me faire entrer? Pour une visite de courtoisie, bien sûr. Ouais, je suis un vrai fan du baron. D'accord, je vous aiderai, si vous me laissez travailler. Il y a un vieil ascenseur de maintenance au pied d'une des tours piliers du palais. Ce vieil engin peut vous faire entrer dans le palais, si vous trouvez le moyen de le réactiver. Vous avez réussi à débarrasser le monde de ce fléau. En récompense, je vous offre une énergie noire. Thank you.
L'une des exploitations minières du baron subit les assauts des Metalheads. Ça, c'est pas notre problème. Ça le devient si le chef de l'exploitation est l'un de nos meilleurs informateurs. Il s'appelle Vin et nous devons lui venir en aide. Trouvez le téléporteur à la centrale et servez-vous-en pour vous rendre à la carrière. Et sauvez la peau de ce cher Vin. Hé, le tatoué! Pourquoi on se tape l'émission les plus nazes? Parce que... je ne t'aime pas. Ça se tient. Quel que soit le marché que le baron a conclu avec les Metalheads, l'écho de la ville est presque épuisé et le temps presse. Si le gamin ne récupère pas sa place sur le trône très vite, il y aura bientôt plus de ville à défendre. Bien sûr, je suis les recherches.
petit peu d'arrêt. Hey, c'est vous, Vin? Du calme. Thorne nous envoie. N'approchez pas. Écoutez, si on avait voulu vous tuer, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Oh, des alliés. Oh, merci, mon Dieu. Nous, alors, mais, où sont les renforts? C'est nous. Quoi? Que vous deux? Oh, c'est donc tout ce que je vends? Je commence à me le demander aussi. Si vous voulez rester là et servir de repas aux Metalheads, ok. Daxter et moi, on s'en va avant que ces monstres ne débarquent. Hé, les gars, je voulais vous remercier. À la carrière, vous m'avez tiré du pétrin. Et merci à vous d'être un aussi mauvais tireur. Ah oui, vraiment désolé. Oui, je suis un peu sur les nerfs ces derniers temps. Sur mes nerfs? On n'avait pas remarqué. Ah! Allez, à l'aide, là, derrière vous! Où ça? Où ça? Où? Qui ça? Je rigole. Bien réagi, en tout cas. C'est pas drôle! Ces métalheads ont attaqué nos exploitations minières et nous allons être à court d'écho! L'écho permet aux murs protecteurs de la ville de fonctionner. Et sans ces murs, eh bien, on peut faire nos prières! Je leur réserve quelques surprises à ces Metalheads. Faites que les murs fonctionnent jusqu'à ce que le Sphinx trouve une solution. Mes relevés indiquent une chute du flux d'écho à la plateforme de forage. Encore un nid de Metalheads qui pompe de l'énergie! Allez-y avec le téléporteur et détruisez tous les œufs de Metalheads que vous pourrez trouver.
Lapinou, vous êtes nouvelle. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? Mais je vous connais. Vous étiez avec les souterrains. Chut, je m'appelle Tess. Thorn m'a envoyé espionner Crew. Jouer le jeu et je pourrais peut-être percer les secrets de Crew. Ouh, j'adore bosser sous une couverture, poupée. Mais à deux, c'est quand même mieux. Laissez-moi vous aider. Wow, il y a plein de bouteilles ici, dis donc. Ah, wow. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Mmh. Voilà, c'est vraiment de l'or, le machin qui flotte, là. Et ce truc violet, là, c'est quoi? Jack, j'ai besoin de toi et de ton rat qui parle pour me rapporter quelques précieux paquets. Salut, votre grosseur. Ça gaze? Qu'est-ce qu'il a? Rien, tout va bien. De quoi je me mêle d'abord? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Écoutez, 6 de mes clients vont déposer pour moi de l'argent à travers la ville. Vous devez ramasser chaque besace aussi vite que possible et vous occuper des gardes trop curieux. Si vous tardez trop, quelqu'un d'autre pourrait s'en emparer. Vous savez ce qui vous manque, Crow? De l'imagination. Ça pourrait être un sacré boule ici. Le paradis du hopping avec plus de danseuses, plus de fun, plus de femmes. Ramassez les 14 besaces avant qu'elles ne disparaissent et rapportez-les-moi. S'il vous manque une seule des besaces, inutile de revenir, hein? Attention, je suis à pied. Ah!
avez toutes les besaces, voici un upgrade d'armes. Allez-vous-en, je dois me refaire une beauté. Croyez-moi, même la chirurgie n'y pourrait rien. L'une de mes anciennes camarades Grenagarde a été envoyée à la station de pompage. On n'a reçu aucune nouvelle de la patrouille. Vu ce que vous avez affronté là-bas, elle doit avoir besoin d'aide. Vous avez dit elle ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Arrête ça ! Je suis sérieux, espèce de Milus ! Waouh ! Il a raison ! Tu penseras à un après ? Cet ami est souvent venu en aide aux souterrains dans le passé. Retournez à la station de pompage et jetez-y un œil. Aidez-la si nécessaire. Toi, l'écureuil, bouge-toi d'ici et vite! Qu'elle a plus de barbe que moi. D'où vous sortez, vous deux? J'adore les femmes en uniforme. Vous voulez m'aboyer des ordres? Je suis votre chauffeur sur l'autoroute de l'amour. Garçon, un terrier pour deux. Continue comme ça et je fais monter ta voix de quelques octaves. Du calme. Thorne nous envoie pour vous aider. Pas besoin d'aide.
Par contre, vous, on a de la compagnie. Les voilà. Sale métallex. Je les ai eus. Tire, tire. Oh. Tiens. Écrase-les. Qu'elle a plus de barbe que moi. D'où vous sortez, vous deux? J'adore les femmes en uniforme. Vous voulez m'aboyer des ordres? Je suis votre chauffeur sur l'autoroute de l'amour. Garçon, un terrier pour deux. Les voilà. L'heure de la vengeance a sonné. Exterminer ces métalheads, c'était plutôt excitant, pas vrai, Poppy? Ah! Hé! Mon zèbre en sucre! Appelez-moi pour que je passe vous voir à l'occasion! On fera une méga-teuf! Ça va crouver! Dites à Thorne que le baron Praxis mijote quelque chose. Ça doit être en rapport avec ce symbole. Qu'est-ce que c'est? C'est le sceau de la maison de Mar, le fondateur d'Abriville. On va être envoyé en mission suicide pour ramener des objets datant de son règne. Si vous êtes vraiment curieux, demandez à la vieille devineresse aveugle Onin au bazar. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Tenez, prenez mon laissez-passer. Vous êtes Ashlyn, c'est ça? On est quitte maintenant. Waouh! Une vraie tigresse! Vin, vieux frère, on a besoin de vous. Inutile, je ne peux rien faire pour votre facture d'écho. Il faut que vous activiez pour nous l'ascenseur d'accès de l'une des tours piliers du palais. Quoi? Celui du vieux réseau de la zone B? Mais ça fait des années qu'il ne marche plus. Bon, si c'est trop dur pour vous, je comprends. L'énergie, c'est compliqué. Compliqué? Bon, il suffirait de faire passer les conduits de la zone B par le réseau de dérivation, chanter après les anneaux d'écho pour connecter les tubes d'induction en série, repasser par l'hélice isolante du mur extérieur, puis par les routeurs de flux résonants jusqu'à la batterie de condensateur numéro 5. Si les circuits du GX75B supportent la saute d'énergie, je pourrais faire la liaison avec les bobines principales et hop, l'ascenseur fonctionnera. Vin, vous êtes génial. En fait, c'était Mar, le vrai génie. Il aurait élaboré tout ce système il y a bien longtemps. Les murs protecteurs, le réseau écho. En tout cas, pour que cet ascenseur fonctionne, vous devez trouver et activer toutes les vieilles bornes écho de la zone B de la ville. Il y en a 5. Ça me semble faisable. Oui, sauf que ces bornes écho sont gardées par des turbocanons détecteurs de mouvement. Détruisez ces canons et réactivez ces bornes. Ensuite, je m'occupe du reste. Mais pas un mot de tout cela au baron, ok? Attention, je suis à pied. Passe au secteur
Plus d'écho en fin de semaine. Nous la livrerons dans votre nid comme promis. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat, ce marché n'en est plus un, mon cher baron. Je commence à perdre patience. Livrez-moi l'écho au plus vite, ou j'annule notre contrat, et j'en fais payer le prix à votre ville. Il joue avec nous. Laissez-moi lancer un assaut contre le nid avant qu'il ne soit trop tard. Je peux y arriver. Patience, commandant. Personne n'a jamais réussi à entrer dans le nid des Metalheads, vous le savez. Je sais ce que donne ce genre de plan foireux. Non, la force est leur faiblesse. Nous avons l'air démunis, mais nous les faisons manger dans notre main, et un jour... Passez à la suite du plan. Demandez à Ashlyn de mobiliser ses patrouilles. Il faut trouver ce tombeau. Mais votre fille ne s'est pas montrée enthousiaste. Ah, je vais régler cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Ashlyn est la fille du baron ? Et trouvez-moi ce gamin. Si vous aviez passé autant de temps à chercher ce môme qu'à flirter avec ce garçon manqué, ça ferait longtemps qu'on le tiendrait, le morveux. À vos ordres. Avec un peu de persuasion, je suis sûr que notre espion... Qu'est-ce que c'est ? Traitement à l'écho noir te manque tant que ça, Je vais me faire un plaisir de m'occuper de vous deux. Ouh.
Les pouvoirs que je t'ai donnés ne te protégeront pas éternellement. Je t'ai créé, je peux aussi te détruire. On se retrouvera. Oui, c'est ça. Au revoir.